Le prince Harry et le prince William se retrouvent pour le dévoilement d'une statue en l'honneur de la princesse Diana sent comme une libération, selon une source. Le duc de Sussex a retrouvé le duc de Cambridge pour célébrer l'héritage de leur défunte mère lors d'une cérémonie poignante. La relation entre les deux frères avait été assombrie par des spéculations sur une prétendue rupture et s'ils pouvaient guérir leur lien. Mais l'événement de dévoilement, commémorant ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana le 1er juillet, aurait offert un moment de détente. Une source a déclaré à People que la cérémonie était douce et intime, cela ressemblait à une libération. Un invité a déclaré à la publication, vous aviez des souvenirs des sœurs de Diana, de son frère et de ses fils. C'était beau et poignant parce que c'était une occasion familiale intime. Au cours de l'événement, les interactions entre William et Harry ont laissé espérer qu'ils pourraient être sur le point de résoudre leurs problèmes. Un expert en langage corporel a déclaré à GB News que les deux hommes montraient des signes de réconciliation. Jodie James a souligné comment le prince Harry a montré de l'émotion en découvrant la statue. Madame James a déclaré, alors qu'ils se tenaient là et que le tissu se détachait de la statue et qu'ils regardaient tous les deux le visage de leur mère, Harry a mis ses mains sur ses hanches. Je pense que c'était quelque chose où il essayait peut-être de garder son calme, cela a dû être un moment très difficile, très émouvant. L'expert a ajouté, mais il s'est retourné et a regardé William et, pour moi, ce regard impliquait un moment de réconciliation. C'était un peu c'est notre mère et rappelez-vous comment les choses étaient, c'était la pause la plus poignante pour moi.